Alors, le démonstrateur de Kingfuser, il va présenter des objets connectés dans les magasins. L'idée, c'est qu'un objet connecté, bah, c'est vivant, c'est interactif. On a envie de le voir en activité, dans une situation. Et bien là, vous allez pouvoir le voir en situation, vous allez pouvoir comprendre à quoi il fonctionne. Donc là, on le met en situation, le petit robot va interagir avec le smartphone, avec l'objet connecté. C'est un outil pour le vendeur, en fait, l'outil... Enfin, le vendeur, lui, il peut pas montrer tous les objets, il peut pas faire toutes les démonstrations. Là, le vendeur va pouvoir l'utiliser pour amorcer un dialogue avec le client par rapport à un objet connecté, voilà, pour que la personne soit d'abord intéressée et vienne après lui poser des questions. Donc avec un smartphone, on peut montrer une application, à quoi elle sert. Et on a aussi des démonstrateurs spécifiques pour les objets connectés où en fait on va faire interagir et le smartphone et l'objet connecté. Les deux seront présents, le robot interagira avec les deux. Donc objet connecté, ça peut être smartwatch, ça peut être une caméra connectée, vous allez vous filmer vous-même et voir après le résultat. Ça peut être un tracker d'activité où on va être en situation. La vidéo derrière vous montrera une personne qui court pour montrer le compteur de pas, etc. On a cette opportunité en tant que start-up, c'est qu'on peut concevoir un tel produit grâce à la convergence de nouvelles technologies. Alors on a les systèmes embarqués qui sont à prix abordable du type Raspberry Pi qui nous permettent d'avoir un développement assez rapide. On a l'impression 3D, les pièces que vous voyez là ont été faites à l'imprimante 3D. Et donc on peut comme ça mettre ensemble une solution de robotique de manière tout à fait rapide et accessible pour une start-up.